abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu m'es délivré. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Et dans ma faiblesse, est-ce le Seigneur me renvoie. Mon seul abri, c'est toi. Mon seul abri, toujours mon cœur te chantera. Toujours mon cœur te chantera. Car tu me délivres. Car tu me. Et chaque fois que j'ai peur, et chaque fois que je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi, et dans ma faiblesse immense, et dans ma faiblesse, le Seigneur. Le Seigneur me. J'aimerais que nous puissions chanter comme une prière. Abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera. Toujours mon cœur te chantera. Car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse. Et dans ma faiblesse. Le Seigneur me rend fort. Le Seigneur me rend fort. Un autre couplet dit : mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Mon seul abri, c'est toi. Mon seul abri, c'est toi. Tu as raison d'acclamer le Seigneur, de lui parler. J'aimerais que tu restes devant lui, en lui disant, mon seul abri, c'est toi. Même quand j'ai peur, tu demeures mon abri. Même quand rien ne marche, tu demeures mon abri. Même quand je suis bousculé dans mon corps, tu demeures mon abri. Même lorsque je n'ai rien en poche, tu demeures mon abri. Même lorsque ça ne marche pas, on ne s'entend pas dans notre couple, tu demeures notre abri. Même lorsque ça se complique, tu demeures notre abri. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'Éternel demeure notre abri. Notre abri. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera. Car tu me délivres à chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi.
Esaïe 25, du premier au quatrième verset, nous dit « Ô Éternel, tu es mon Dieu. » Il est aussi ton Dieu. Le prophète dit « Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je te célébrerai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. » A-t-il fait des choses merveilleuses dans ta vie? Car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins, autrement dit tes projets, ton programme pour ma vie, tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Fidèlement accomplis. Car tu as réduit la ville en un monceau de pierres, la cité forte en un tas de ruines. La forteresse des barbares est détruite. Jamais elle ne sera rebâtie. C'est pourquoi le peuple puissant te glorifie. Nous sommes un peuple puissant. C'est pourquoi le peuple puissant te glorifie. Les villes des nations puissantes te craignent. Écoutez le verset 4. Tu as été un refuge pour les faibles. Y a-t-il un faible ici? Dieu est un refuge pour les faibles. Je disais, Dieu est un refuge pour les faibles. Tu as été un refuge pour les faibles. Un refuge pour les malheureux dans la détresse. Un abri contre la tempête. Est-ce que tu es en train de connaître la tempête dans ta vie? Dieu est un abri contre la tempête. Je disais, il est un abri contre la tempête. Peu importe la tempête que tu es en train de vivre par l'Éternel, Dieu est un abri. Je disais, Dieu est un abri. Un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur. Car le souffle des tyrans est comme l'ouragan. Il frappe une muraille. Oui, un abri. J'ai consulté mon dictionnaire pour comprendre encore davantage ce que c'est qu'un abri. Et voici ce qui m'a été rendu. C'est un lieu qui préserve du mal. Oh, tu seras préservé de tout mal. J'étais en train de dire, tu seras préservé de tout mal. Parce que l'Éternel, c'est ton abri. Ton abri, ce n'est pas ton argent. Je disais, ton abri, ce n'est pas ton argent. Ton abri, ce n'est pas ton compte en banque. Ton abri, ce n'est pas un travail rassurant. Non, je disais, ton abri, ce n'est pas un travail rassurant. Ton abri, ce n'est même pas ton papa, ce n'est même pas ta mère. Ton abri, l'abri sûr, ce n'est pas ton épouse, ce n'est pas ton mari. L'abri sûr, ce n'est pas des affaires florissantes. Non, 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 non. Tu es un refuge pour les faibles. Le prophète dit, s'adressant à Dieu, il dit, tu es un refuge pour les faibles. Quand je suis faible, il est celui qui me soutient, il est celui qui me protège, il est celui qui me sécurise. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. M'appuyer sur le Seigneur, c'est lui l'abri par excellence.
Bien-aimé, l'Esprit de Dieu a mis ces cours, cette courte exhortation, ces cours, ces petites paroles dans mon cœur, parce qu'il savait, Dieu savait que tu étais là et que tu avais besoin d'entendre, pas des multitudes de paroles, mais entendre ça, que l'Éternel c'est ton abri. Et quand tu as peur, appuie-toi sur lui. Un abri, c'est un lieu qui préserve du mal. Le mal est en train de rôder, le mal est un rôdeur, mais l'Éternel est ton abri. C'est un refuge, une protection, l'Éternel. C'est un refuge, l'Éternel, c'est une protection. Mon seul abri, c'est toi. Mon seul abri, c'est toi. Et quand j'ai peur, je viens m'appuyer sur toi. C'est pourquoi je veux ta présence, Seigneur, notre Dieu. Qu'est-ce que je deviens sans ta présence? Qu'est-ce que la parole éternelle devient sans ta présence? Qu'est-ce que nous pouvons communiquer sans ta présence? Le monde n'a pas besoin de nous. Le monde a besoin de toi, Seigneur. Donne-nous de disparaître en toi, afin que le monde te voie au travers de nous. Donne-nous, Seigneur, notre Dieu, de diminuer, afin que toi tu croisses, éternel, notre Dieu. Donne-nous de nous effacer, afin que toi tu apparaisses. Donne-nous de nous taire, afin que toi tu parles. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Jésus, prends soin de nous. Psalmiste, dans psaume 46, et à toi dit ceci, dans psaume des fils de Corée, ils disent, Dieu est pour nous un refuge, un appui. Dieu est pour nous un refuge, un appui. Un secours qui ne manque jamais. Ça ne manque jamais. Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est un secours qui ne manque jamais. J'aimerais que tu l'entendes et que tu partes d'ici avec cette assurance. Dieu est mon secours qui ne manquera jamais, même lorsque je passerai par la détresse. Dieu est un secours qui ne manque jamais. Dieu est pour nous un refuge, disent les fils de Corée. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Les gens peut-être posent la question aux fils de Corée. Qu'est-ce qui fait que vous soyez sans crainte alors que tous les événements sont contraires? Qu'est-ce qui fait que vous puissiez être tranquille? Ils disent Dieu est pour nous. Ils disent Dieu est pour nous un refuge, un appui, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous sommes rassurés de sa présence. Voilà la raison pour laquelle, même lorsque les choses sont en train de tanguer à gauche et à droite, nous sommes sereins. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel et il plie et il tombe. Mais nous nous tenons fermes et nous restons debout. Pourquoi? Parce que nous invoquons le nom de l'Éternel. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Nous invoquons le nom de l'Éternel, frères et sœurs. Oh, nous n'avons pas un autre nom. Le seul nom qui nous a été donné sous le soleil par lequel nous pouvons être sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce n'est pas le nom qui nous a été donné par nos parents qui compte, mais c'est le nom que le Père Céleste nous a donné. Je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Je parle de Jésus qui m'a soutenu depuis ma tendre enfance. Je parle de Jésus qui marche avec moi même lorsque je ne comprends rien. Je parle de Jésus qui est avec moi même lorsque je n'ai pas de maîtrise de quoi que ce soit. Mais je sais qu'il est avec moi. Je sais qu'il est avec moi.
Je sais qu'il est avec moi, je sais qu'il est avec moi. Mon seul abri, c'est lui. Il est mon seul abri quand je ne comprends rien. Il est mon seul abri quand j'ai peur et je viens m'appuyer sur lui. Il est mon seul abri quand j'ai des compréhensions, des incompréhensions. Il est mon seul abri lorsque je ne suis pas compris autour de moi. Il est mon seul abri lorsque les gens ne me soutiennent pas. Il est mon seul abri lorsque les gens ne m'appuient pas. Il est mon seul abri. Il est mon appui. Il est mon appui sûr. Ah, je disais, il est mon appui sûr. Ah, je disais, il est mon appui sûr. 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 Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oh, 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 oh. Et ils disent, c'est pourquoi vous constatez que nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée, nous sommes sans crainte. Quand il y a tempête, il y a séisme, nous sommes sans crainte. Quand rien ne marche, que le salaire n'est pas venu à temps, nous sommes sans crainte. Quand les démarches n'ont pas abouti aux yeux des hommes, nous sommes sans crainte. Ne nous laissons pas intimider par les apparences. Je disais, nous ne nous laissons pas intimider par les apparences. Nous ne nous laissons pas intimider par les apparences. Nous ne nous laissons pas intimider par les apparences. Parce que l'Éternel, notre Dieu, est un refuge, un appui, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Jamais dans la détresse. Il est un secours, un refuge, un appui. Quand on parle de l'appui, on parle du soutien, on parle de l'aide, on parle de la protection. On parle de la protection qu'apporte quelqu'un à quelqu'un d'autre. Un refuge. On définit le refuge comme étant un lieu, un endroit où quelqu'un qui est poursuivi ou menacé peut se mettre à l'abri. Un refuge est défini comme étant un lieu, un endroit où quelqu'un qui est poursuivi ou menacé peut se mettre à l'abri. Est-ce que tu es menacé? Est-ce que tu es poursuivi? Et le secours est défini comme étant un renfort pour porter assistance à quelqu'un en danger. Et Dieu est tout ça. Un refuge, un appui, un secours. Il est l'aide, c'est un moyen utile qu'on fournit à quelqu'un. Mon seul abri, c'est toi. Lorsque les choses ne tournent pas comme elles devraient tourner, tu demeures mon abri. Tu es mon abri. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh Jésus, j'ai besoin de toi. Viens, et demeure, alléluia, auprès. Chantons-les encore, j'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. Chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens, tu es auprès.
Parle un instant. Parle un instant à Dieu. Parle un instant à Dieu. Lève la voix. Alléluia. Parle à Dieu. L'église est en train de parler à Dieu. Ça m'étonne que tu sois distrait. Ramandoro boshe karabandoro. Yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes. Imandarama shandarama koroboshe terama. Jésus reba shandarama kurabarabashe. Ondoro boshe karabakurabarabashe terama. Jésus, Jésus. Est-ce qu'on peut continuer à parler à Dieu? Tu peux lui exprimer ta souffrance, tes peurs. Tu peux lui exprimer ce qui te fait peur. Tu peux dire, Seigneur, tu es mon abri. Je veux comprendre tout le temps que tu demeures mon abri, Seigneur. Jésus, 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 Jésus. Hosanna, Hosanna, Rabashanda Rabba. Viens Jésus, Rabashanda Rabba. Viens demeure auprès de moi. Viens demeure auprès de moi. Viens demeure auprès de moi, Seigneur. Viens demeure auprès de moi, Jésus-Christ, je te cherche. Oh, Alléluia, Rabashanda Rabba, Rabba, Rabba. Et à toi, Seigneur, notre Dieu vivant. Nakobange lo kote solo, Yesu azale kimelo nanga, Mikumba nanga na pesi na ye. Gaina kobanga te, gaina kobanga te solo. Yesu azale kemelo nanga, mikumba nanga na pesi na ye. Gaina kobanga te, nakobanga banga te, nakobanga te. Solo, Yesu azale kemelo kunanga mikumba nanga na pesi na ye. Kaina kubanga te. Kolo, Yesu, kolo, Yesu, yo zale kinanga. Kaina kubanga te, yoye bimo kemananga. Hallelujah. Kaina kubanga, oye bikolela nanga kolo, yoye bikolela nanga. Nakubanga te, nakubanga te, oye bibambasi nanga, yoye bibambasi nanga, nakubanga te, oye bimotema nanga kolo, yoye bimotema nanga. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, Jésus, nos yeux sont sur toi, Seigneur. Nos yeux sont sur toi, Seigneur.
Je vais inviter chaque enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu as accepté Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur. Tu es passé par les eaux de baptême et tu marches dans la crainte de son nom. Tu peux te lever avec nous et nous allons participer à la table du Seigneur. Nous allons prendre notre Sainte Cène. Tendre Père, nous voulons te dire merci pour ce pain que nous tenons entre nos mains. Ce pain nous rappelle ton corps, Jésus, qui a été brisé, qui a été déchiré. Merci parce que tu as accepté de prendre notre place à la croix de Golgotha. Sanctifie ce pain. Qu'un bonheur immense, notre Dieu, soit vécu par tes enfants ce jour. Que nous nous souvenons de ton corps qui a été meurtri. Nous nous souvenons aussi que ton sang a coulé sur le bois infâme. C'est le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui nous a rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Je prie pour que tu sanctifies cette coupe et que la vie soit communiquée à tes enfants. Glorifie-toi dans nos vies. Alors que nous passons ce temps à te célébrer, à te louer, à nous souvenir de ce qu'a été ton œuvre à la croix de Golgotha, Seigneur, si malade il y a au milieu de nous, donne la guérison. Pour la gloire de ton nom, pour le bien de ton peuple. Au nom de Jésus, nous prions. Merci Seigneur. Il est la vie éternelle que contient le pain de vie et qui nous donne la vie. Jésus-Christ l'incomparable. Nous étions séparés et nous appelons par notre nom. Il est la vie. Contient le pain de vie. Il contient le pain de vie qu'il est. Et qui nous donne la vie. Et qui nous donne la vie. Jésus-Christ l'incomparable. Jésus-Christ l'incomparable. Il est la vie éternelle. Il est la vie éternelle. Il contient le pain de vie. Il contient le pain de vie qu'il est. Et qui nous donne la vie. Jésus-Christ l'incomparable. Il met dans ses bras d'amour. La vérité, la vie, je l'appelle.
parole qui peut faire changer, la vérité est la vie, je la fais, je la fais, à de vie. La parole qui peut faire changer, la vérité est la vie, je la fais. Changer. La parole qui peut faire changer, la vérité établie, je la fais, la de vie. Jésus, les cours de notre histoire, Seigneur. Nous sommes venus te bénir, toi, notre abri. L'abri sûr, notre abri. Alléluia. Même quand les choses de notre Dieu sont en train, notre Dieu, de mal tourner, tu es notre abri. Alléluia. Jésus. Jésus, le seul nom qui nous a été donné. Le nom de la vie. Le nom qui transforme et qui régénère. Oh Jésus, au-dessus de tout, alléluia. Alléluia. Jésus. Viens élever au-dessus de tout. Yima Mandoro Bouchente, alléluia. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Amen. Alléluia. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de nos problèmes, il est élevé. Alléluia. Jésus. Élevé au-dessus de la maladie. Amen, amen. Rima Chandara, maman. Jésus. Tu es élevé. Demandez à l'assemblée de se tenir debout. Veuillez vous lever de partout là où vous êtes. J'aimerais que nous puissions réaliser qu'il est élevé au-dessus de tout. Au-dessus de toute complication. Au-dessus de tout complot qu'on peut monter contre ta vie. Le Seigneur est élevé au-dessus de cela. Et il dit que si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. De la même manière que tu es en train de battre ton maître, tu es en train de déclarer que aucun complot contre ma vie n'aboutira. Déclare-le. Il est important que tu puisses déjouer les complots du monde des ténèbres. Déclare-le de tout ton cœur. Jésus est élevé au-dessus de tout. Il est élevé au-dessus de tout. Ouais, ouais. Fais-le bien. Il dit tout pour... Je vous ai donné le pouvoir.
Dorobosé. Ah, il est élevé au-dessus de tout. Prière est en train de libérer une grâce spéciale. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert, mes amis. Écoutez, le Seigneur notre Dieu, je voulais parler du Seigneur Jésus-Christ qui a été pendu au bois, a eu à faire cette déclaration que tout ce que mon Père céleste n'a pas planté sera déraciné. Commence à déraciner ce que le Père n'a pas planté dans ta vie. Arrache, déracine. Je déclare ce matin que la sorcellerie n'anéantira pas tes projets. Yes.
Alléluia. 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 Dieu pour nous un appui et refuge, un secours qui ne manque jamais. Dieu pour nous un appui et refuge, le secours qui ne manque jamais. Dieu pour nous un appui et refuge, le secours qui ne manque jamais. Dieu pour nous un appui, un refuge, ce qui ne manque jamais. C'est ce que tu es pour nous, Seigneur. Un appui, un refuge, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut lui donner une bonne offrande d'acclamation ?